Bah, première impression, c'est première chose que j'ai rencontrée, c'est le cadre de vie déjà. Donc c'est vrai que c'est sympa d'arriver à cette époque-là parce que c'est super beau. Après, j'ai rencontré tous les gens du club où ça s'est super bien passé. Mon accueil a été plus facile du coup. Puis après, ça a été les autres joueurs du groupe. Donc non, pour l'instant, tout le monde m'a bien accueilli. Donc il n'y a plus qu'à bosser maintenant. Ouais, ça change de tout. On voit que c'est une organisation encore plus professionnelle vu que c'est la Ligue 1. On voit que c'est plus pointu surtout. Donc non, c'est vrai que ça met dans le bain tout de suite. Ouais. C'est une belle récompense, mais faut pas non plus que ce soit un aboutissement. Faut toujours continuer à travailler. Faut pas se sentir arrivé. C'est toujours une remise en question de toute façon. Donc ouais, c'est sûr que ça fait quelque chose de signer dans un club de Ligue 1. Après voilà, reste plus qu'à prouver qu'on l'a mérité avant et puis voilà, continuer à travailler pour voir jusqu'où on peut aller. Ouais, c'est bien après de ne pas s'installer dans un trop grand confort. Même si à Tours j'ai toujours travaillé pour conserver ma place, mais c'est vrai qu'après c'est bien de se remettre des nouveaux challenges dans sa carrière, surtout que moi je suis encore jeune, donc non, ça ne m'effraie pas du tout, non. Bah, Bertrand m'a apporté son expérience. Surtout que moi Bertrand je l'ai connu quand j'étais à Nancy. Lui il était en pro, moi j'étais en 14 ans, donc c'était mon père qui l'entraînait, donc j'avais quelques contacts avec lui déjà, donc ça fait plaisir déjà de le revoir. Et puis c'est vrai que lui depuis il a fait une grosse carrière, même si elle n'est pas terminée. Et puis Jesper, c'est son expérience voilà, de gardien qui a connu une formation à l'étranger. C'est toujours bon à prendre un peu de ce qui vient de partout. Donc non, tout le monde peut tirer quelque chose de chacun, donc c'est important. Ouais. Ouais, le projet m'a séduit, donc j'ai eu le coach au téléphone, son discours m'a séduit, le projet m'a séduit, donc ouais, c'est un bon endroit, je pense, à condition d'y mettre ce qu'il faut aussi moi. Ça, il n'y a pas de souci, je vais mettre ce qu'il faut, mais ouais, ça peut être le bon endroit. Ouais. Je sais que ça fait un petit moment qu'ils me suivaient, le fait qu'ils me suivent déjà depuis 1 an et demi, 2 ans, ça m'a prouvé qu'ils m'ont gardé dans un coin de leur tête, et c'est ça aussi qui m'a séduit en me disant, bon, bah voilà, ils m'ont pas oublié, c'est que je les intéresse vraiment, donc il faut que j'aille là-bas, quoi. Je suis très tonique, avec une vitesse de bras assez rapide. Pareil pour les jambes, je vais très vite sur les jambes, j'ai pas mal de réflexes. Après, on peut toujours travailler, on peut toujours progresser. Le jeu au pied, ça va, mais il y a toujours mieux à faire. Sortie aérienne, pareil. Lecture de trajectoire, c'est un de mes points forts aussi. Donc, non, de toute façon, il y a toujours à améliorer. Donc là, en plus, je viens de Ligue 2, donc je sais que je vais devoir encore améliorer ce que je sais faire.